Dimanche 16 juillet 2023. Frère Axel, bonjour. Bonjour. Dans l'occasion du 15e dimanche en ordinaire à l'État, nous rassemblons dans l'église là bien, dans la foi à quelques temps, pour nous rappeler, écouter parole de Dieu, chanter, danser et dire bon Dieu merci pour toutes mes veilles accomplies dans la vie. Je veux dire, dans paroisse monde, groupe accueil à service protocole a célébré 6 ans depuis qu'il existait dans la paroisse. Nous disons bonne fête. Jésus, dans le passage de l'évangile, je veux dire, a parlé à nous au sujet par rapport à nous qu'absimer. Pendant l'absimer, il y a quelqu'un qui est tombé en route, il y a quelqu'un qui est tombé dans le piton. Gagner qui tombe dans le monde. Dans la messe, je veux dire, en demande de bon Dieu, nous voulons pour accueillir la parole bien et qu'on s'en parle là pour la chaîne et fleurir dans nous pour nous capables de faire tout côté de nous. Également, la brevée de bon Dieu de façon spéciale, tout le monde pour accueillir un service protocole qui a célébré la fondation aujourd'hui. Oui, absolument, en campé, pendant la météo nous ensemble, pour nous chanter gloire à merveille que nous réaliser dans la vie. Thank you.
frères et sœurs, préparons-nous en ce 15e dimanche du temps ordinaire, qui ramène l'anniversaire du groupe Accueil Protocole et le rassemblement de la communauté de la paroisse, à offrir au Seigneur cette action de grâce en nous reconnaissant pécheurs, en implorant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant.
Première lecture qui sortit dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 55, versets 10 à 11 à 19. Parole de Dieu, c'est parole qui est efficace. Parole qui peut être résultat. L'infini pour des lectures, nous allons méditer dans psaume 64. Et c'est Paul dans le deuxième lecture, dans l'aide écrit au meilleur dans chapitre 8, verset 18. Oui, verset 23, après nous comprendre, souffrance n'a pas tiré dans mon salle, le peut vivre à courage, dans l'espérance, un jour bon Dieu a délivré nous net à nous. En écoute. Thank you.
Fenyo, moi je considère la souffrance comme ça par un homme devant la vérité qui a venu, qui a dévoilé le monde. Réellement vrai, réellement après une révélation de petit bon Dieu, réellement obligé d'obéir sa parole, sans battre, mais peut-être cela qui a réalisé comme ça. Mais il y a une espérance, c'est que création nous-mêmes tout à délivrer sous un bel stratège et composition pour entrer nos libertés, belles petites frontières. Nous connaissons également toute créature à génie, à enfanter le jour pour lier. C'est pas seulement nous-mêmes, mais nous-mêmes tout qui est le premier cadeau de l'esprit, n'a plein de nos cœurs, en tant qu'attendre des libertés petites adoptives frontières avec des livres formes. Parole de Dieu. Frère Pasteur, on le campé pour acclamer et voici pour Dieu. Matthieu chapitre 13, sorti dans verset 1er, privé dans verset 23. Jour ça, Jésus sorti dans la caïla, l'Ichita Bolomère. Foulio rassemblé côté, à tel point, l'obligé monté dans un bâtiment pour le Chita. Toute foule là est campée sous volant mer, li t'a parlé avec yo en pile, nan parabole, li t'a dit. Si la cap siméan sorti pour le simé, pendant la siméan, gen quelques graines qui tombaient sous bon route yo, oiseaux ciel yo rivé, yo mangé. D'autres même en tombé dans terre roche, côté pas bien en militaire. Même les ailes poussé, parce que y'a pas bien terre qui font. Les soleils à lever, y'a joint un chalet qui coulait. Et puis, comme y'a pas bien racine, y'a séché. D'autres même tombé dans piquant, y'a grandi avec piquant y'a. Qui tout fait. D'autres encore tomber dans montée, yon bay fruit, yon portion 100 fois plus, yon l'autre 60 fois plus, yon l'autre 30 fois plus. Moun qui des oreilles pour
Qui ça, c'est en parabole, ou à parler avec le roi? Il répond, il dit, parce que nous-mêmes, il fait nos faveurs pour nous connaître les veilles du ciel. Mais si là, nous-mêmes, il n'a pas fait nos faveurs, ça. La bien plus, mais moun qui pas gagné, même salgué, y a prêté le même. C'est pour ça, c'est en parabole m'a parlé avec yo, parce que yo gardé sans yo pas ouais, yo goûté sans yo pas tendé, ni yo pas comprendre. Déclaration Isaïe est fait comme prophète là, réalisé. Ça qui dit, nous mettons écouter, bien écouter, nous pas comprendre. Nous mettons garder, bien garder, nous pas croire. Que peuple ça loue. Oreilles tendues, j'ai eu fermé. Comme ça, yo pas croire à Dieu, yo pas tendre à oreilles, yo pas comprendre à cœur. Yo pas changé conduite et moi t'a guéri. Quant à nous mêmes, c'est chance pour genou parce que yo ouais. Et puis oreilles parce que yo tendez. En vérité, moi dis nous, en pile prophète, à moun correct, t'es envie ouais ça nous ouais yo, mais yo pas ouais. Yo te envie tendé, ça l'a tendé, mais yo pas tendé. On sa nous même, ou te parabole, moun kap si mer. Tout moun qui koute parole règne, et puis qui pas mette l'enquel pour comprendre li, mouvé arrivé, li prend sa yote si mer l'enquel là. Si là, c'est sa si mer dans bon chemin. Saximé souterrain roche la même, c'est s'attendre par là. Même les animaux se voilent avec quel content, tellement n'y pas de racines, c'est pour yon petit en lila. Lève une gécraille à persécution pour cette parole là, même les a limité. Saximé n'en piquant yon même, c'est s'attendre par là. Seulement, tête chargée siècle dans ça, avec attirance richesse, tout fait parole là, il était sans fruit. Ça s'y met dans bon terre même, c'est ça que tendait parole là, qui mettait le cœur pour le chercher, comprendre lui. Lui donne un fruit, lui fait une potion sans froid bliss, une l'autre croissant. Et l'autre même grand. Mes paroles, mon Dieu, qui rivaient par et ensemble,
regarder, comprendre, méditer et prendre des décisions importantes, authentiques pour notre bien spirituel et notre bien matériel également. Eh bien, dans ce 15e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à réfléchir sur la semence du Verbe. Jeter en nos cœurs, dans notre vie, dans le monde, dans l'humanité tout entière. Et quand nous parlons de semence, il y a tout un domaine qui rentre en jeu. Hier soir, il a plu. Et cette pluie a fécondé la terre. Et les cultivateurs sont contents parce que la semence qui a été jetée en terre germera, produira du fruit, et ces fruits sont pour le bien-être non seulement de son propriétaire, mais de l'homme en général. Quand ce matin, vous écoutez la parole qui dit « Un semeur est parti jeter de la semence partout », on peut se demander « Est-ce un vrai agriculteur ? Est-ce un agriculteur fou ?» Parce que nous savons très bien, celui qui veut semer sa terre prend son temps pour la préparer, et non seulement il ne va pas jeter la semence n'importe où. Et dans la semence, nous trouvons également l'espérance. Mais dans la lecture, surtout dans la deuxième lecture, on nous a parlé d'une certaine confusion, d'une certaine douleur, douleur de l'enfantement. Et écoutez et comprenez également cette semence qui est jetée en terre, connaîtra un moment de confusion, connaîtra également un moment de souffrance. Et c'est dans la souffrance qu'on dit que la vie prend naissance. Eh bien, dans le domaine de la semence, nous parlons de pluie, de terre, d'arrosage, nous parlons également de fécondation, de la germination, de semence, de récolte, et après la récolte, du pain. Le cultivateur, c'est celui qui fait preuve d'espérance, il fait preuve de patience, il est fidèle également à ce qu'il fait dans l'assiduité, la résistance. C'est quelqu'un qui est réaliste également, et dans la souffrance, il suit pas à pas le cheminement de son jardin, et également avec peine et sacrifice. Ce matin, frères et sœurs, nous sommes réunis pour écouter la parole de Dieu qui est la semence du Verbe. Et on aime souvent dire avec saint Jean, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et cette parole de Dieu faite chair habite en nos cœurs, habite dans notre vie. Et cette terre dont parle l'Évangile, c'est nous-mêmes, c'est notre cœur, c'est notre vie. Et nous sommes appelés à donner du fruit, indépendamment de la nature de la terre. Le semeur, il a confiance
Et il nous fait confiance également. Et dans cette confiance, il place non seulement dans la terre, mais également dans la semence. Quand on regarde une petite semence, une vie latente y est insérée. Mais également, il y a de la puissance là-dedans. Quand nous voyons un flamboyant, quand nous voyons un chêne, quand nous voyons un grand arbre, mais regardons la petite semence. Quand nous voyons un manguier, par exemple, combien de mangue il peut donner? Alors, dans la petite, cette petite semence, il y a également la surabondance de l'amour de Dieu qui est dedans. Dans la semence, Dieu met son amour, il met ce qu'il est et nous invite également à être comme lui. Sa générosité ne fait pas défaut. Le semeur, il est généreux. Le semeur également, il fait confiance. Le semeur également, il vit dans la persévérance. Jésus, il parle à la rencontre des hommes. Il est au carrefour de l'humanité pour rencontrer tous les hommes, les femmes. Il ne s'arrête pas dans un milieu pour attendre à ce que les gens viennent à lui, mais comme nous dit l'évangile de ce matin, Jésus était sorti de la maison et il est assis au bord du lac, en train d'attendre, en train de surveiller et pour entamer la conversation, pour donner la parole de Dieu. Et à cela, nous pouvons nous poser cette question. Quelle est notre attitude nous-mêmes face à cette semence que nous avons et que nous devons jeter cette semence? Quelle attitude avons-nous? Est-ce que nous attendons à ce que les gens viennent chercher la semence? Ou bien nous cherchons la terre pour semer? Ou bien nous repoussons les gens qui viennent chercher cette semence? Dans le cœur de Dieu habite également l'intelligence. L'intelligence de Dieu dont chacune nous avons besoin. Mais également tout en nous faisant dociles à l'Esprit de Dieu. Semer à tout vent. Semer à temps et à contre-temps, comme nous le rappelle l'apôtre Paul. Cette parole, cette semence que nous avons, il faut la témoigner à temps et à contre-temps. Bien souvent, nous regardons sur le visage des personnes, nous regardons sur le village, la renommée du village ou de la communauté avant d'entreprendre notre mission. Mais la parole de Dieu nous dit, le semeur, il est parti semer et il jette sa semence partout. La parole de Dieu n'est pas pour un groupe bien défini. La parole de Dieu n'est pas pour une classe de privilégiés, mais la parole de Dieu est pour tout le monde. Quelle que soit sa situation, il est pour tout le monde. Nous, en tant que personnes qui aiment calculer, nous cherchons souvent de la bonne terre. Mais regardez l'image de Dieu lui-même, il ne cherche pas la bonne terre. Il met sa semence partout, que ce soit dans les ronces, que ce soit dans l'Europe, que ce soit au bord du chemin. Il met la semence partout. Alors, est-ce que ce semeur-là, il est fou? Non, il n'est pas fou. Est-ce que ce semeur-là, il n'attend pas de résultat? Oui,
qu'il attend le résultat. Mais cependant, quand nous parlons, quand nous disons que Dieu est universel, l'amour de Dieu est universel, l'amour de Dieu est pour tout le monde, eh bien, nous devons nous faire également à cette idée que l'amour de Dieu est pour tous. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Chaque jour, le jour apparaît sur ceux qui font le bien et sur ceux qui font le mal, sur les justes et sur les méchants. La parole de Dieu est adressée à tout homme, elle est adressée à toute femme. Avec Dieu, il n'y a pas de sélection. Dieu, il croit. Il croit en chacun, en chacune de nous, et il sait très bien que nous avons la capacité de recevoir sa parole et de la faire fructifier. Être chrétien, frères et sœurs, n'est pas facile, surtout aujourd'hui dans la mouvance des choses. C'est pas du tout facile. Parfois, nous avons l'envie de tout jeter. Nous avons l'envie de tout remettre et de partir. Mais il faut continuer à temps et à contre-temps. Il faut persévérer dans la mission. Et heureusement pour vous, vous avez ce icône de persévérance avec vous, 50 ans dans la mission. Hein, ce n'est pas une mince affaire. 50 ans pour continuer à dire oui au Seigneur. Dans les bons temps, dans les mauvais temps, dans les difficultés, dans la maladie, dans l'incompréhension, hein, ce n'est pas facile. Mais nous savons très bien que Dieu donne de la persévérance à celui qui en demande. Dieu donne son amour à tout homme, à toute femme, mais d'une façon spéciale à ceux qui le désirent. Et c'est pour cela que nous devons continuer à prier. Continuer à prier sans, comme on aime souvent le dire, sans mécréance. Continuer à faire confiance à Dieu comme il nous fait confiance. Et malgré nos faiblesses, il continue à croire en nous. Eh bien, même si des fois, dans les moments difficiles, la prière semble impossible, mais il faut continuer à prier. Même si des fois le dimanche matin, on n'a pas envie de venir à l'église, on n'a pas envie de venir faire communauté, mais il est toujours bon de faire un effort en plus, de venir écouter la parole de Dieu et ensemble construire la communauté. Quand nous prions ensemble en communauté, notre prière a beaucoup plus de force et ça construit également la vie spirituelle de la communauté. On a envie de tout quitter, de tout jeter en l'air. La situation n'est pas facile, mais cependant, restons dociles à l'Esprit de Dieu et faisons confiance à Dieu. 6 ans de service dans l'accueil et le protocole de la communauté. Des jeunes qui, au jour le jour, continuent à dire oui, continuent à servir, continuent à chercher la volonté de Dieu pour eux, pour elles. Il faut les accompagner. Continuez à les encourager, mais dites-vous bien, l'encouragement vient de soi. L'encouragement, ça devrait être
dans votre fort intérieur, parce que bien souvent, on aime souvent dire, le service est ingrat. Mais même si vous servez les hommes, les femmes, mais mettez-vous en tête que votre service est adressé à Dieu d'abord. Tout ce que vous le faites pour Dieu, mais à travers les hommes, à travers les personnes que vous servez. Mais le résultat final, il faut continuer, il faut aller, il faut explorer et il faut chaque jour prier également. Car c'est dans la prière que réside le sens du service, le sens de la générosité. Eh bien, la semence, elle est jetée. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans et même 10 ans avant de donner du fruit. Et bien souvent, on peut avoir, ça peut arriver le découragement, mais faites confiance à Dieu, car un bon jour, un bon matin, Dieu fera exploser la semence pour donner son fruit autant voulu par Dieu, car il est le maître de tout, il est le maître de l'histoire, le maître de notre vie. Faisons confiance à Dieu et restons attentifs à la parole de Dieu, soyons dociles à l'Esprit de Dieu et la semence qui est jetée donnera son fruit au temps voulu. Continuez, ne vous découragez pas, car Dieu, il est là, il est avec vous dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Restez motivés. Demandons au Seigneur la patience du cultivateur pour aller derrière lui à sa rencontre sans se décourager, toujours avec la tête droite pour ne pas se détourner du bien et continuer à faire confiance au Dieu d'amour, le Dieu qui nous appelle à sa vigne et le Dieu qui nous demande également de venir avec lui pour continuer à semer la semence dans la vie des hommes et des femmes de notre temps qui ont tant besoin pour leur épanouissement spirituel et matériel. Que Dieu nous vienne en aide et nous bénisse. Amen. Amen. Après avoir écouté et médité la parole de Dieu, je vous invite à vous lever et ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu. Ceux et celles qui nous demandent de prier pour elles.
au Père Bernier, qui fête ses 50 ans de fidélité à la mission de Dieu. Après chaque prière, chantons ensemble.
d'autres monde qui sont présents dans la messe là aujourd'hui. Mais fait que tout le monde ait accueilli ces masses paroles pour être capable de protéger les remèdes ensemble. Et pour ça, la communauté noire va être plus solidaire, plus fraternelle. En nom de la prière.
prions ensemble pour offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église.
Et nous
Assurons devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Il a vraiment de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite en toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons un geste de paix. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon cœur. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je ne sois jamais séparé. Amen.
Dans la deuxième messe là, nous prenons la paroisse là,
un groupe jeune et adulte qui va recevoir le sacrement confirmation. Dimanche 23 juillet à 1h, sur la coulée église là, nous tous nous invités pour venir participer dans une activité culturelle que Enfant de Kenyo a organisée. Donc nous tous nous invités, plus qu'à cela, c'est 150 gourdes. Si vous rejoignez 4 paroles, jouez avec Enfant de Kenyo et puis il y a un cas. Nous comptons sur ces assistants. C'est nous-mêmes qui vous encourager. Et c'est la première activité qui a fait la paroisse. À nous encourager pour être capable de continuer à faire toujours. Nous connaissons la préparation de la Saint-Claire. Pour aller à la bien 3 jours mission. Tel qu'à le débat, dans 3 jours mission, plus faire là, c'est acheter des œuvres et noyaux pour donner un témoin vrai de lumière. Acheter des œuvres et noyaux pour donner un témoin vrai de lumière. Romains chapitre 13, verset 12. 3 jours mission, ça y est, il y a organisé comme ça. Dimanche 23 juillet à 3h, après-midi, à bien combien d'apostolats qu'a fait avec le mouvement Saint-Famille et Légion de Marie. Apostolat, pas d'apport. Pour nous aller visiter et à chercher mon Dieu, puis venir participer dans la mission, pour dire à la mission dans la zone de la Caillou, pour venir participer tout dans l'événement, à la fête. Vendredi 28 juillet, mission la fête dans la zone Colofé, oui, des mots. Dans le carrefour qui est tout près à Saint-Marie Alissa. Samedi 29 juillet, la fête dans le village Caronago, oui, mon matin. Carrefour qui est plus haut qu'à Saint-Jean. Dimanche 30 juillet, la fête dans l'école Comis. Qui c'est l'école qui est maître Laurent. Chaque jour, nous avons passé à 4h dans l'après-midi. Nous avons commencé à 4h30. Donc, nous tous, nous invités pour nous venir participer dans la mission. Réunion prière, cette famille a fait après-midi à 4h. Dans l'île à paix, quand il fait Jacques Léo, rassemblement à faire devant l'église là, Yom Tizor. Samedi 22 juillet à 4h, dans l'après-midi, avec une grosse rencontre pour toute chaîne qui fait partie de cette famille dans la paroisse là. Toute chaîne qui fait partie de cette famille dans la paroisse là, avec une grosse réunion pour nous dans le local d'amitié. Toutes les gens qui t'arrivent à intégrer le mouvement, rencontre ça très important pour ta là. Maintenant, nous y ont motivé l'autre, s'il vous plaît. Et qu'on y a, nous prenons un groupe de gaz qui a fait des 10 paroles. Révérend Père Jean-Julien Labousseur, curé de la paroisse, Révérend Père Marc-Arthur Salomon, Révérend Père Robert Tellier, Révérend Père Victor Renet, chers parrains et marins, chers parents, chers paroissiens et paroissiennes, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Immense est notre joie en ce 6e anniversaire de fondation
du groupe Accueil et Service Protocole. Ce matin, nous rendons gloire à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans notre vie. Malgré les moments difficiles que nous traversons aujourd'hui, Seigneur, tu nous tiens toujours par la main, tu ne nous as jamais abandonnés et tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, nous te disons merci. À présent, nous voulons exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont largement contribué à la réalisation de cette belle fête. D'abord, nous adressons nos vifs remerciements à la gloire du Père Jean-Julien Ladouceur, curé de la paroisse. Mon Père, merci pour vos mots d'encouragement. Ensuite, nous tenons à remercier Père Robert Ternier et Père Salomon qui nous ont prodigué des conseils pour la bonne marche du groupe. Mon Père, merci. Nous voulons exprimer notre reconnaissance à l'endroit du Père Vito Rendel, fondateur du groupe CASP. Père Vito nous a toujours soutenus et nous a toujours prodigué des conseils. Mon Père, ce matin, les mots justes pouvant traduire notre gratitude à vos égards nous manquent toujours. Mon Père, merci. Permettez-nous de vous adresser un merci en majuscule, mon Père, merci et mille merci à notre parrain Frère Thalès et Marie qui nous ont aussi apporté les voies économiques de la fête. Nous disons un grand merci.
entre le groupe accueil et service au Paul au service de la paroisse de Dieu et l'épanouissement de l'échange, donné à Potiphar Sanchez, le Saint-Jean de Dieu.
apprécier tout service que nous avons et que nous parlons de mots aujourd'hui pour nous féliciter, encourager et dire merci pour 50 ans. 50 ans. Qu'il a été donné aujourd'hui 50 ans. Vous voyez, il y a 50 ans et nous souhaitons que Dieu m'aille encore en deuxième session. Pour t'aller encore 50 ans. Célébration pour Joseph. Et qu'on y a demandé vous qui t'a. Est-ce que pas des monde qui vient dans la paroisse là pour la première fois de la prier avec nous? Si bien la part de vous, c'est un peu pour nous s'il vous plaît. Ok. Donc il y a trois membres, trois frères accès nous. Qui vient de la prière avec nous pour la première fois, pour les quatre. Nous disons bienvenue, paroisse là, c'est la taille de nous. Depuis nous, c'est catholique, nous avons un groupe. Dans tous les côtés, dans toutes les paroisses, nous disons bienvenue, continuez à venir, nous donnez le version, continuez à venir de la prière avec nous, paroissiens, paroissiennes, c'est clair, nous sommes contents de vous. Qui s'adapte, mon Dieu, les amis. Et qu'on y a la pandémie qui t'a fêté, anniversaire, naissance, baptême, communion, mariage, confirmation, pour avancer, pour capable de prendre bénédiction. À nous faire ça garder. Mon qui t'a fêté. À quel temps de oui. Donc tout le monde, bon dimanche, bonne semaine. Soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu tout puissant vous